12 countries that will be competing to win the coveted title of the Gold Bocuse. Excusez-nous, pardon, je suis Et alors, on reparle un peu de ce légume mystère au cours de la journée, savoir au fond comment est-ce qu'on prévoit d'intégrer l'huile avec des huiles avec un aborigène en Australie. Et on a utilisé maîtriser. Oui, ouais, j'ai fait le rêve à un moment de le faire avec mon fils. Moi, personnellement, ça fait pour sortir un peu de mon souvenir. Comme vous le savez, les chefs vont se donner rendez-vous ici, sur cet espace unique, toute la journée, les plus grands chefs. Ça accroche. Jean, toi aussi, tu aimes bien venir voir ce qui se passe ici, cette journée. Là, tu fais, par rapport à nos questions, bon, ils ne seront pas présents sur tout quelque chose. Notre volonté, c'est réellement de rester uniquement sur l'univers de professionnels et de pouvoir créer une communauté qui va pouvoir partager des recettes et du secteur. Merci Vincent Sigaud et on retrouvera Good Connection. Angela? Thank you so much for Good Connection. Oui, sur le plateau du Bocuse d'Or, on va continuer notre tour des stands. Angela, every single country that's here today wants to win. À l'honneur et on est soucieux et intéressé de voir ce qui va sortir du box. Est-ce que tu as des informations, Régis, sur la cuisine guatémaltèque? En place au dernier concours, c'est de réduire le temps d'entraînement de ces pays pour donner justement plus de chance aux pays qui ont des petits. Bravo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous, on en profite, Régis, pour prendre une petite. He's a president from Morocco. Well, absolutely, it's going too hot. So he came for us, the president, for the World Pastry Conference. Ça fait que dans chaque foyer marocain, on utilise le feuilletage. Donc la pâtisserie fait beaucoup plus partie de la cuisine marocaine qu'encore que chez nous. Voilà, il n'y a pas de limite. El cultivo de viva, zanahoria y cebolla, escabeche, pasta de gamba, la pasta de. Nous allons maintenant appeler à la table du jury viande pour... Welcome our team Iceland. International, dernier lauréat du Bocuse, j'ai nommé Timon Ruggeri. Ladies and gentlemen, welcome out the art president of the International Jury, the winner from Timon. Let's have a huge round of applause for all of our committee members. Il y a Christophe Marguin qui est là, enfin j'ai peur d'en oublier quelques-uns. Christian Bourriot, bien entendu, depuis le premier jour, hein, Christian. Il y a la vieille classe, comme moi, dont je suis, hein. Et puis il y a aussi la jeune classe. Et la jeune classe, elle va venir nous aider aujourd'hui à servir tous ces messieurs, puisque je vous demande d'applaudir très fort les élèves de l'Institut Paul Bocuse. On s'habitue, Régis, mais le premier plat, c'est quelque chose. Oui, tout à fait. On ne sait pas si c'est vraiment une chance d'être au piment de Merkel. Donc c'est un piment du sud de Chili qui est rouge. On pourrait l'apparenter un petit peu au candidat préféré. Si vous voulez savoir où Jean-Louis Gallen a acheté sa doudoune bleue. Enfin voilà. Il va partir dans très peu de temps maintenant. Dans 2 minutes normalement. Dans 2 minutes, hein, il faut que l'horaire soit extrêmement bien. Oh, c'est Maître Perry qui nous dit, alors là, je suis sûr que ça va filer droit. In all of the world, so I'm sure you can make a bit more noise for that. That's a bit better. For Team Australia! Céleri, mélange céleri citron. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous savez que c'est l'année pour... vraiment jugé sur la spontanéité, la créativité. C'est un plat pour les femmes, tu sais. Les femmes mangent plus de légumes que les hommes, hein, plus de verdure. Là, on est en plein dedans. En 50%, évidemment, on va pas creuser l'assiette, hein. Et déjà, on peut voir un en backup, c'est-à-dire en soutien derrière, en coulisses. Tiré au sort, comme les coachs du jury ici. T'es pêcheur, ça quoi. Alors je suis pas pêcheur, mais enfin, un peu pêcheur devant l'éternel, mais pas devant la mer. Ah, il y a des mouches qui sont magnifiques. Donc là, c'est une très décoration originale, entendu. De toutes couleurs, de toutes plumes. Ils les fabriquent eux-mêmes. Moi j'adore ce passe-temps. De la composition de l'assiette d'Islande. J'ai donné le titre, j'ai pas donné la lecture complètement. From home, or even if you're in the audience, you can tweet us using the console. And as you can see here on the arena stage, we've got a lot of professionals here as well that can help. Mario, avec des règles bien précises cette année, puisqu'on demande à chaque candidat % de végétal dans l'assiette. Et la surprise hier avec le légume. Quand ces candidats s'entraînent, j'ai la chance d'en connaître quelques-uns à l'entraînement de différentes publications de la France. On a l'habitude de mettre la musique pour être déjà dans cette ambiance, pour ne pas être surpris le jour même. Mais j'avoue, pour l'avoir. Voici le plat de truite de Adam Bennett pour Royaume-Uni. Sur la question qui a montré l'assiette au photographe. Because the teams had to go to the market and they have to use 50% of the fish dish of vegetables that they horseradish and breadcrumbs. They're also serving on their plate potato and leek, caviar and trout eggs. C'est comme ça devait sortir. Ça va, voilà, on se lève. Aujourd'hui, on a essayé de minimiser un petit peu. Oui, d'avoir un petit peu moins de temps de se préparer, de savoir qu'auparavant. Don't do that. It grows in the bush of Australia and is sometimes used as a box numéro 3. Voici venir le plat de viande de l'Islande. champion langue et riz de veau et crevettes. Une sauce. Regardez, mesdames et messieurs, le sérieux des jurés en place. Le plat de mesdames et messieurs. I made a small crunchy part from the skin of the guinea fowl as well. That is going to be served with. Attention, voici le plat de Guatemala. On va se pousser un petit peu. On est en train de déguster le plat de viande de Nicolas. Compota de puerro, manteca, ajo, vino blanco y miel, bavarois, morilla, romeski, de la Suisse. Et oui, c'est difficile, on s'en mêle un petit peu. C'est le rythme imprégné du Bocuse d'Or, de tous ces plats qui sortent les uns après les autres. Tandis qu'à la table de découpe, eh bien, la table de découpe des viandes, j'essaye. So for their menu, il y a eh bien, on attend maintenant. Le plat, au début, la table de dégustation de la viande attend son tour en salivant devant. We continued and finished with all 12 of the kitchens for the fish tasting of the day. The judges now have to do all of their calculations. And what makes this very difficult for them is they have to start all over tomorrow. And of course, they need to judge as fairly as they judge today. So they have to remember like the super history, especially with Rosmus Kopa, who came here and is the only person to this. Tandis que sur la table du groupe, on est en train de dresser une assiette américaine, et bien le plat estonien est parti à l'assaut. The numbers that are happening this year at the Bocuse d'Or 2015. Trophies, the statues themselves, and what were the things that are forbidden? Okay, that was contest rule number 1. Let's say anything that would temper or alter aucune ne s'arrête. Pendant que le jury de dégustation des viandes est en train de terminer son travail, eh bien, le jury de dégustation du poisson est en train de... Okay. Fantaisie de pommes de terre dorées aux oignons. Sur l'assiette de poisson, un petit peu fou, un petit peu frais, pas trop strict, alors que sur le plat de viande, on a vraiment essayé de fondeur et on a retranscrit ça dans le plat de bœuf avec la symbolique du bœuf qu'on a. André le nôtre. Le lieu de dégustation. Il s'agit du plat du Maroc. Quand on voit ce plat coloré, alors le titre de ce plat, c'est les jardins Majorelle. Au Maroc, fèves, pointe d'asperges et morilles. Et oui, on trouve des morilles au Maroc. Elles sont recouvertes.